Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du 12 janvier, on parle politique. Et oui, en meeting mercredi soir au Mans, Jean-Luc Mélenchon a attiré 2000 personnes. Un succès pour le tribun de la France insoumise qui mène une campagne sur le terrain, mais aussi sur Internet. En basket, le MSB s'est imposé face aux Turcs du Pinard Karsiyaka. Le Mans reste en course pour la tête du classement de Champions League. Un photographe immortalise l'ancien tribunal et ancienne prison du Mans avant leur rénovation. Une manière de garder une trace de l'histoire du site de la Visitation. Nous l'avons accompagné sur place aujourd'hui. Notre invité est à l'origine de ce projet. Justement, nous accueillons Étienne Périchard, directeur du CAUE de la Sarthe. Nous évoquerons avec lui le programme 2017 des festivités du CAUE. Et on commence donc avec de la politique et la forte affluence au meeting de Jean-Luc Mélenchon mercredi soir au Mans. Et oui, un palais des congrès du Mans plein à craquer. De mémoire de Mélenchonis, on n'avait jamais vu ça en Sarthe. Un effet du ras-le-bol général et de la campagne de Jean-Luc Mélenchon sur Internet et notamment sur YouTube. Parmi la foule au Mans, des convaincus mais aussi des curieux attirés par le tribun de la France insoumise. Mercredi, 18h30, ça se bouscule au portillon du Palais des Congrès du Mans. Mélenchon attire la foule, premier constat. C'est vraiment la première fois que je vois. Maintenant, croire à la politique, c'est vraiment très dur. D'accord, donc lui redonne espoir. Lui redonne espoir. La salle principale est pleine, 1400 places occupées. On est un peu surpris, agréablement surpris de voir autant de monde ce soir. On s'attendait quand même à avoir un petit peu de monde. Mais alors de cette grandeur-là, c'est une surprise et une joie pour les organisateurs. Du monde dans les salles secondaires, couloirs et halls, jusqu'au moment où plus personne ne peut rentrer. C'est plus tenable au niveau sécurité. Toutes les salles sont remplies, il y a même des gens qui remontent. Ouais. Donc on a pris la décision de fermer. Il y a du monde alors encore hein. Il y a encore 100, 150, peut-être 200 personnes. Écoutez, on est victime de notre succès. Hein. Au total, plus de 2000 sympathisants sont présents, pas tous convaincus. Donc vous êtes communiste ? Oui. Et vous soutenez Mélenchon là comme ça maintenant d'entrée ou pas ? Non, je soutiens ses idées, à la limite, mais pas le personnage. Moi, je m'en fiche de complètement que ce soit Mélenchon ou un autre. Hein. Mais du moment qu'il y a quelqu'un pour représenter le peuple ouvrier, c'est l'essentiel. On en a même retrouvé qui assistait au meeting de l'UPR dimanche. Pas tout à fait du même bord politique, mais un point commun, sortir ou changer d'Europe. Il y a des fois où c'est un peu flou du côté de Mélenchon, où Asselineau est assez clair. Et on a envie de savoir si vraiment il va faire ce qu'il dit. D'accord. Parce que d'après Asselineau, il ne ferait pas ce qu'il dit. Jean-Luc Mélenchon arrive et c'est parti pour 2h15 de meeting sur le thème central de la sécurité sociale pour bien faire entendre sa voix sur le terre de François Fillon. Évidemment, on m'a dit, vous allez dans la Sarthe pour affronter M. Fillon. Mais renseignez-vous, M. Fillon n'est pas de la Sarthe, il s'est enfui. Dans son programme, il y a le fait qu'il a décidé de supprimer la Sécu. Il propose une Sécu qui rembourse à 100% et le retour de la retraite à 60 ans. 115 sénateurs. 2016, une année noire pour Dominique Le Ménaire, président du conseil départemental de la Sarthe. C'est ce qu'il a dit à la presse ce matin lors de la traditionnelle cérémonie des vœux. Ah oui, une cérémonie qui était aussi l'occasion de faire évidemment le point sur ce que sera éventuellement 2017. 2017 qui s'annonce difficile aussi avec la perte de compétences pour le département, les compétences du transport scolaire interurbain ainsi que la compétence économique. Parmi les actions phares de l'année, l'aménagement numérique, le plan collège performant et le plan routier. Enfin, le budget ne sera quant à lui examiné qu'au courant du mois de mars. Les explications de Dominique Le Ménaire au micro de Diane Lemoisson. C'était une année difficile pour notre pays tout entier avec les attentats terroristes, mais aussi avec une situation financière, économique et sociale fortement dégradée. Et donc aujourd'hui, les collectivités perçoivent de plein fouet les résultats de cette politique et nous avons donc beaucoup de difficultés à élaborer nos budgets. Et donc une nouvelle fois, nous sommes contraints de reporter l'examen du budget au mois de mars. Et du sport à présent avec la victoire du MSB pour la 12e journée de Champions League. Les Manceaux se sont imposés à Antares face aux Turcs du Pinard Karsiyaka. Une victoire importante pour le MSB qui élimine ainsi un concurrent direct pour la première place du classement de Champions League. Un match serré jusqu'à la dernière minute. Mathias Hubert. Dès le premier quart-temps, le ton est donné, la rencontre sera serrée. Les Turcs du Karsiyaka percent d'abord la défense désordonnée des Manceaux, qui se réveillent et passent à l'offensive. Le bal est ouvert par Pearson, suivi de près par Hanlan, qui signe un 3 points en fin de premier quart-temps. En début de deuxième quart-temps, Yegente enfonce le clou. Nice play inside, and there will be an and one, I think.
Les Manceaux consolident leur défense de zone et ne concèdent que 7 points, de la 10e à la 20e minute, avant de creuser l'écart sur ce 3 points d'Amagou. En fin de première mi-temps, les Manceaux s'offrent une petite avance de 8 points sur les Turcs du Karsiyaka. Au retour des vestiaires, le MSB fléchit et les Turcs profitent de l'ouverture. Et si les tangos s'acharnent, l'écart se réduit entre les deux équipes, 53-51 pour le MSB en fin de période. Au dernier quart-temps, les tangos sont malmenés mais se ressaisissent et concluent en beauté sur ce dunk de Petr Korneli. Score final 65-61, une victoire sur le fil pour le MSB qui élimine un de ses plus sérieux concurrents à la première place du groupe B. Et on vous dresse à présent le portrait d'un homme qui fait parler les murs. Il s'appelle Jean-François Molière, c'est le photographe chargé d'arpenter le site de la Visitation au Mans pour immortaliser les lieux avant la destruction. Une initiative du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Sarthe qui mettra ensuite sur pied une exposition, le reportage de Diane Lemoisson. Voilà un an et demi qu'il arpente la Visitation. Des pierres, des graphes, une porte de prison, chaque chose ici raconte une histoire et c'est à Jean-François de les faire parler. Ce que les murs reflètent comme énergie et comme trace du passé. Seulement, mon défi, c'est pas de faire une illustration, c'est pas de dire regarder, finalement, de faire soi-disant une belle photographie qui servirait simplement comme témoignage. Il faut donner une photographie à voir qui donne un petit quelque chose de plus, pour que l'intérêt ne soit pas simplement un intérêt documentaire. Donc j'essaye de faire ça. La Visitation, c'était un couvent, puis un palais de justice et une prison. Ici, c'était la salle du tribunal, théâtre notamment du procès des sœurs Papin en 1933. Des bribes d'histoire dont ne se lasse pas Jean-François. Dans cette petite salle attenante à la salle du tribunal, il y avait une porte assez fine pour qu'on entende le jugement des jurés. Et la tradition était de marquer la peine de celui qui nous précédait. Donc il y avait tout un mur où effectivement on voyait peine de mort. Enfin vous voyez, c'est quand même un mur d'histoire extraordinaire. C'est pas mal parce que là, elle bénéficie d'une lumière qu'elle n'a jamais eue parce qu'il y avait un mur. C'est quand même la photographie. Quand je suis arrivé il y a un an et demi à peu près, quand j'ai commencé le travail, j'avais le sentiment que j'étais le premier. À part le promoteur, M. Arthuis, personne n'était venu. Il n'y avait pas de graffiti, il n'y avait pas de vol, il n'y avait rien. C'était vraiment photographié, mais j'avais l'impression que finalement, j'avais envie de photographier le temps un peu. Parfois, des ombres viennent hanter les clichés de Jean-François, de quoi laisser l'imagination du public s'envoler et figurer des siècles de prières, de souffrances, de vies qui ont traversé les lieux. Et très logiquement, on accueille l'invité de ce journal. Étienne Perrichard, bonsoir. Vous êtes le directeur du CIUE de la Sarthe, CIUE qui était à l'initiative de ce beau projet. Pourquoi ce projet ? Eh bien, simplement parce que le CIUE a pour mission de transmettre son amour et de transmettre l'intérêt que l'on a apporté à l'architecture, à l'urbanisme et au paysage. Donc derrière, il y aura une expo, un livre aussi, vous cherchez même des témoignages. Tout à fait, parce que l'exposition comme le livre mettront en regard les photos de Jean-François Molière, dont on a vu le reportage, et puis des témoignages de personnes qui ont fréquenté les locaux de la Visitation, soit le palais de justice, soit le pénitentiaire. Dans sa transformation en fait. Donc il ne s'agit pas de faire un témoignage de la vie passée, de ses murs, mais bien d'être le témoin de sa métamorphose, de sa mue. On est sur un point focal très important dans tout le département. La Visitation, c'est très connu. On ne peut pas faire abstraction. On a un sujet là sous nos yeux. Il se passe tout un processus de renouvellement de la ville sur la ville que l'on veut absolument mettre en lumière. Le programme 2017 du CIUE, c'est aussi pour ça que vous êtes là. En effet. Alors on n'a pas
Ça sera au programme, évidemment, c'est quelque chose qui est au long cours. Il y aura des choses peut-être plus précises, notamment des cycles de visites, des cycles d'ateliers, des conférences. C'est ça la nouveauté cette année, c'est de fonctionner par cycle. Alors, c'est une nouveauté qu'on propose pour certaines de nos actions. Nous proposons en effet deux cycles en particulier, que sont les petits secrets d'architecture et puis des séances de cinéma autour de l'architecture. Tous les jeudis, un film. Voilà, le jeudi, au premier semestre. Le premier jeudi du mois. Hein, c'est voilà. Ça. En partenariat avec le cinéma d'art et d'essai, les cinéastes. Donc en plein centre-ville, avec rencontre d'un témoin, échange avec quelqu'un qui saura nous parler du film et le décrypter pour pouvoir parler d'architecture et d'urbanisme, comme toujours. Ça tombe bien, ce sont cette année les 40 ans de la grande loi française sur l'architecture. Donc la deuxième proposition dont je parlais, Petit secret d'architecture, il s'agit d'un cycle de 5 dates également, ouverte au grand public. Et là, nous voulons donner l'occasion au grand public intéressé de s'initier en toute simplicité aux fondamentaux de l'architecture. Cette année, ce thème tourne autour des relations entre art et architecture. Et donc on va trouver des thématiques comme les arts plastiques, le cinéma, là encore, la nature, le dessin, et la couleur. Et ça sera sous forme de visites là aussi, ou d'ateliers, ou de conférences? Alors enfin. Ce sont des petits cours avec, pour certaines de ces dates, des ateliers. Donc ça dure une heure ou deux heures au CAUE. On peut venir soit à l'une des dates, soit à l'ensemble du cycle. Voilà, ce n'est pas un engagement pour l'ensemble du cycle. Après, on a d'autres types de propositions qui peuvent fonctionner par cycle également. Par exemple, on a 7 visites d'architecture contemporaine dans tout le département. Donc on appelle ça les découvertes corps à corps, puisqu'il s'agit de prendre conscience de la relation entre notre corps et puis le corps de bâtiment que l'on visite. Et là, ce sont vraiment des rencontres intéressantes, puisqu'on... Souvent, on ignore l'existence de ces bâtiments dans le département. Le patrimoine contemporain, ancien du département est riche, suffisamment riche pour toutes les propositions architecturales, cycle de conférences que vous voulez faire? Oui, on aimerait bien souvent avoir plus de 24 heures dans la journée, plus de 7 jours dans la semaine, etc. C'est surtout que ce patrimoine est fort méconnu, ou alors connu trop localement. Donc notre travail, nous, c'est vraiment de diffuser cette information, de faire de la médiation culturelle autour de ces éléments-là. C'est pleinement intéressant pour toutes sortes de publics. Et on a des propositions qui s'adressent au grand public, mais aussi au public scolaire, au jeune public, aux professionnels. Donc voilà, toute une gamme de propositions, et aux élus et aux techniciens des collectivités, tout à fait. Architecture, urbanisme, environnement, paysage. Quelle est la proposition qui a le plus de succès aujourd'hui? Qu'est-ce qui rencontre le plus d'intérêt de la part de ce public? C'est très difficile de cloisonner les choses pour la bonne et simple raison que notre cadre de vie, eh bien, il mêle ces différentes composantes. Et chacun d'entre nous, nous sommes acteurs du cadre de vie collectif à chaque fois qu'on repeint nos volets ou qu'on va faire construire une maison. Enfin voilà, même quand on soigne sa clôture ou quand on ne la soigne pas, eh bien, on agit sur le cadre de vie. Tout ça, ça agit sur le paysage urbain ou rural. Dernier mot, il y a des temps forts. Les concours des petites machines à habiter auront encore lieu cette année, j'imagine. Alors les petites machines à habiter sont annoncées pour 2018. Nous 2018. Avons cette année, en 2017, une grande exposition qui se passera pendant tout le mois de mars au centre commercial des Jacobins. Elle s'appelle Regard 3 et c'est une exposition qui mêle, pour faire la jonction avec ce qu'on se disait juste avant, qui mêle architecture, paysage et urbanisme, et surtout qui va permettre à toutes les générations de se retrouver, puisque ce sont des propositions de professionnels chevronnés, ou de jeunes professionnels, ou alors même d'architectes en herbe avec des enfants. Pour avoir toutes ces informations, le site internet, le CAUE lui-même? Tout à fait. Le site internet du CAUE vous détaille toutes ces propositions, avec également un bulletin d'inscription qui est en ligne, donc tout ça est très simple, très facile, et puis vous trouvez notre agenda sur simple demande dans les locaux du CAUE ou par courrier si vous le souhaitez. Merci Étienne Pelchard. À très bientôt. Plateau. Attention si vous devez prendre le volant ce soir et cette nuit. Et oui, la Sarthe a été placée en vigilance orange par Météo France en raison de vents qui vont souffler jusqu'à 100 km/h en rafale et en raison de la neige qui devrait tomber sur toute ou partie du département cette nuit. 3 à 5 cm pourraient recouvrir le sol par endroit et ce malgré des températures positives. On en reparle bien sûr dans un instant. Dans la météo, c'est la fin de ce journal. On se retrouvera juste après pour le Face à la Rédac. À tout de suite.